Kikouplop tout le monde. C'est Notman, troisième session sur Condemned Criminal Origins. Toujours la poursuite de notre mystérieux bonhomme qui s'est changé et dont on a perdu la trace. On sait juste qu'il s'est réfugié dans un ancien entrepôt ou genre d'ancien centre commercial. Je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, où ils vendaient des mannequins apparemment. Le niveau paraît super glauque. Et je sais pas trop ce qu'on va y trouver, mais bon. Et aussi surtout une bonne musique bien malsaine. Alors il y avait une nana là qui avait un flingue, je sais pas où elle est. Un oiseau. Bon. Je sais pas trop où je vais là. On dirait bien que j'ai pas le choix. On va aller par là. Oh, sauvegarde. Il a du sang sur sa chemise, lui. Ah putain de merde. J'aime pas ça, hein. What? Je rêve où le type a gueulé quand je vais taper dessus. Ah mais y'a un gars dedans. Oh la vache. Non. Ah, il a un bonnet de Père Noël en plus. Putain, les enfoirés, ils se cachent dans les mannequins. Oh putain, le v'là. Allez, amène-toi. Et qu'est-ce qu'il fout? Bon, bah, il s'en va, ok. Mais qu'est-ce qu'il branle? Je sais pas du tout ce qu'il fait. Putain. Bon allez, on va avancer un petit peu parce que... Sinon demain j'y suis encore. Ah mais il y en a plusieurs, d'accord, ils sont... Il est parti où, l'autre taré, là? J'arrive pas à lui prendre son arme. Tiens, bouffe. Je lui ai fait voler son masque. Oh putain. C'est quand même bien flippant là, cette merde. Deux balles, bien sûr. Il n'y a pas plus. Alors par là, j'ai fait le tour là. J'ai fait le tour. Ah, puis lui qui s'épuise là très rapidement.
fait quoi comme animal ça? J'ai du mal à voir, hein. Ça a pas l'air d'avoir de visage. Ah, il y en a un là. Ouais, je vais garder le fusil pour le moment, tiens. Je viendrai reprendre le revolver. Plus tard. Rien là-dedans, ok. Bon, je leur fous tous sur la gueule, hein, pour être sûr que... Y a pas de problème. Alors, outil de détection. Ready when you are. Merde. Non. Outil de collecte. Quand tu veux, mec. Ah, voilà. Image received. Right-handed print missing the right index finger. This matches what we got from the crime scene. I processed all the prints. And Thomas, the print you got from the tape recorder at the metro station isn't on this hand. I don't get it. What does that mean? I'm not sure. I'm just saying that the print from the tape recorder wasn't made by the same hand. What? Alors, en fait, ça veut dire qu'il y aurait... Il manque un index aussi, mais l'empreinte n'est pas la même. C'est bizarre, ça. Give me a sec. Blood droplet size and dispersal pattern indicate victim sustained a heavy blow. Height of blood on wall indicates it's possibly a head wound. Bon, Encore? Ouais, bon, c'est pareil finalement. Bon, bah, je sais pas... C'est pas les armes qui vont me manquer. Aïe aïe aïe, ce jeu est vraiment glauque, hein. C'est pas rassurant. Encore ? Ok. Ouais, dac. Je reviens rapidement à l'étage, je prends un autre fusil parce que j'ai plus qu'une balle. Alors je sais plus où il était l'autre fusil, il était où? Il était là, hop. On y retourne. C'est con, c'est vraiment con qu'il puisse pas prendre la balle de l'un pour la mettre dans l'autre, quoi. Bon, alors...
rien ici. Rien ici. Rien ici non plus. J'ai pas confiance là. Oh putain. Il m'a foutu la trouille. Tiens, headshot. C'est vraiment glauque, hein. Quoi, Oh putain, vache. Il me faut une masse, d'accord. Bon, on en repassera. Ça veut dire que je vais croiser sûrement un taré avec une masse. T'sais, j'aime pas cet écran flou là. Bah, cul-de-sac. Je regarde s'il y a un truc intéressant, pas un porte-manteau. Ah, dans l'ascenseur ? Trouver le moyen de rejoindre le rez-de-chaussée, d'accord. Je vais faire. Mais en fait, je suis de l'autre côté, d'accord. On dirait bien. Comment vais-je faire? Je suis sûr qu'il me faut la masse pour pouvoir avancer. Donc il doit y avoir une masse quelque part. Peut-être que si je reviens en arrière. Une masse, où est-ce que je vais trouver une masse? Forcément une quelque part. Et où est-ce que je vais trouver une masse, moi? Ça peut être tellement n'importe où. On m'a proposé de ramasser quoi, là? On a enfermé la porte. Pas que ce soit là. Non, c'est pas là. Je suis sûr qu'il y a autre chose. Il n'y a pas besoin de revenir en arrière normalement.
tout cas, moi, ça m'étonnerait. Le jeu est sombre, et en plus, là, je sais pas ce que j'ai un peu la tête dans le cul, je suis pas concentré. Il avait quoi comme arme, lui? Ah, oh, putain, la gueule. Ah... Comment je vais ouvrir cette merde là? Vas-y. Bon. Une masse. Où est-ce que je vais trouver ça? Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait une par là, hein. Ah bah elle est là, puis je... Bon sang, c'est ce qui tient l'ascenseur. Quel idiot. Je l'avais même pas vu. Oh putain. Putain. Putain, dès que je l'ai vu le type dans ce... avec sa canne là, tout de suite je me suis dit lui il est vivant. Ça se voit en plus à sa gueule parce qu'il est un petit peu rose. Tiens, hop. Par les escaliers. Hein. C'est vraiment glauque. Hein. Oh putain. Oh putain de merde. Ah putain! Mais merde! Ah, je vois rien! Mais casse-toi! Ah! Oh la vache! Je voulais lui piquer son flingue à l'autre. Bon, une fois que j'arrive à piquer l'arme d'un ennemi, et d'avoir plus... Je suis sûr qu'il a plus de balles. Bien sûr, il a plus de balles. Putain de merde. Je peux pas prendre le porte-manteau, là. Parce que la masse... Ah, si j'avais pris ça plus tôt, ça serait pas passé de la même manière. Oh putain, j'avais pas vu lui. Allô. Tiens. Oh bordel. Lui, je crois qu'il a un flingue en face. Oh putain la vache, c'est un truc de fou ça. Ouah putain, non mais hey, stop. Ah bah il a plus de balles, super. Putain, je suis dans la merde là. C'est qui est là-haut là? Qui s'amuse à balancer des trucs sur la gueule. Putain, je suis déjà...
j'ai plus de vie quoi. Vous savez quoi, là, c'est peut-être un peu chiant ce que je vais faire, mais je vais revenir en arrière. Parce que plus haut, il y avait de la vie. Et j'ai pas envie de clamser. Désolé pour l'aller-retour. Ça prend un petit peu de temps. Alors, je sais plus où elle était, la vie. Il y en avait une... Il y avait une trousse quelque part, je sais plus où. Où est-ce qu'elle était ? Elle était là, voilà. Bon, on continue. Sur les escaliers très lentement, par contre, je trouve. Bon, alors il faut que j'inspecte les environs là. Vu que je suis au rez-de-chaussée. Là, c'est l'ascenseur. Donc, logiquement, on devrait trouver quelque chose de. Trouver quelque chose d'intéressant. Alors. Putain, j'ai peur qu'il y en a qui m'arrivent par derrière. Trouver un moyen de passer à l'autre côté. Super, bon. Faire un tour par là. Putain, ça monte là. Je sais pas où je vais. Hein. Il y a plein d'endroits. Un petit peu partout là. Là. Avec la porte d'entrée qui est complètement bloquée. Et en fait, non, il n'y a rien d'autre. Je pensais que là, c'était ouvert, c'est pour ça. Ok, donc bon, bah, on va aller par là. On va prendre les escaliers. Alors, le jeu est pas aussi flippant qu'un Dead Space. Mais il est vraiment très glauque, quoi. Parce que Dead Space, en fait, si vous voulez, c'est de la science-fiction pure, alors que là, ça fait... On se retrouve plus dans une ambiance presque... Bah, un peu plus clairement Silent Hill, c'est-à-dire on est dans des lieux vraiment réels, quoi, qui font vraiment dans la vie de tous les jours, quoi, des lieux qu'on a déjà tous visités au moins une fois, et qui sont complètement déformés, transformés. Bon, on peut faire pire que ça, mais... mettre ta race. Oh putain, mais ils sont combien, merde. Le premier, je le shoot. Le second, je lui pique son arme. Sacré veine quand même le type là. Hop, un oiseau. Oh, il y en avait un autre, je sais pas où il est. Il est parti par là, je pense.
Okay. Je rêve où il a un fusil, lui. Il a un fusil. Et comme un con, j'ai pris son fusil et ça servait à rien. Magnifique. Il est où le soin? Mais il était là. Je redescends de toute façon, moi, non? Ah, bordel de merde. Ah, le jeu devient... Il y a un petit filtre, je vois. Oh, bordel de merde. Oh putain de merde. Les traces, elles vont par où? Faudrait que je retrouve la trace des traces. C'est un vrai labyrinthe. Oh bah je l'ai one shot, ok. J'ai pas besoin de soins, de toute façon il y en a, mais si, quand je vois le nombre de soins qu'il y a, je me dis que je pourrais en avoir besoin. Parce que j'en ai vu par là aussi, il me semble, non? Ouais, il y en a là aussi.